Alors, la phrase correcte qui correspond à chaque dessin. Regardons, s'il vous plaît. Le soleil brille sur le lac. C'est la même chose ici. La pluie arrose le jardin. Et la neige tombe sur la forêt. Bonjour les enfants, aujourd'hui, on va faire la phrase. C'est une leçon de grammaire. Alors, une phrase, mes chers élèves, une phrase est une suite de mots qui a un sens. Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Comme l'exemple de le soleil brille sur le lac. Le soleil brille sur le lac. Alors, il y a six mots. C'est une suite de mots. Le soleil brille sur le lac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il y a six mots. Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Qui brille sur le lac, c'est le soleil. Que fait le soleil? Le soleil brille sur le lac. Où le soleil brille-t-il? Le soleil brille sur le lac. Elle commence par une majuscule et finit par un point. Un point d'interrogation ou un point d'exclamation. Alors, cherchons. Bien sûr, la leçon d'aujourd'hui, c'est la phrase grammaire. Alors ici, trois images. D'après vous, est-ce que c'est une phrase? Tombe la forêt, la neige sur. Tombe la forêt, la neige sur. Est-ce que vous avez compris cette phrase? Tombe la forêt, la neige sur. Non, bien sûr, non. Alors, le jardin arrose la pluie. Est-ce que le jardin arrose la pluie? D'après vous, est-ce que c'est une phrase qui a un sens? Le jardin arrose la pluie? Non. Alors, tombe la forêt, la neige sur. Ce n'est pas une phrase, même qu'elle commence par une majuscule et se termine par un point. Parce que, tout simplement, les mots ne sont pas en ordre. Tombe la forêt, la neige sur. Le jardin arrose la pluie, c'est la même chose. Ce n'est pas une phrase, même qu'elle commence par majuscule et se termine par un point. Ce n'est pas une phrase. La phrase est une suite de mots qui a un sens, comme l'exemple de la neige tombe sur la forêt. Voilà. La neige tombe sur la forêt. Le soleil brille sur le lac. La pluie arrose le jardin. La pluie arrose le jardin. C'est une phrase qui a un sens. Je comprends que la pluie arrose le jardin. Qui arrose le jardin? C'est la pluie. Que fait la pluie? La pluie arrose le jardin. Que arrose-t-elle? La pluie arrose le jardin. Elle arrose le jardin. Alors, la même chose pour la neige tombe sur la forêt ou le soleil brille sur le lac. Alors, quelle étiquette avez-vous écartée? Alors, on a écarté tombe la forêt. Non, c'est pas une phrase. Et le jardin arrose la pluie. Le soleil brille sur le lac, il se répète ici deux fois. Le soleil brille sur le lac. Il se répète ici deux fois. D'accord? Voilà. Pourquoi on a écarté
ces étiquettes parce que tout simplement c'est pas une phrase. Même qu'il commence par une majuscule, se termine par un point, parce que tout simplement il n'a pas de sens. Voilà, la phrase a toujours un sens. Merci. À la prochaine. Thank you.